Voilà, c'est de nouveau Maui, épisode numéro 2. Donc, on continue ici à développer rapidement nos fermiers. On va construire les structures nécessaires, comme j'avais dit, le pub. Hein. On voit que le bonheur n'est pas au rendez-vous ici. On va attendre d'avoir suffisamment. On a assez. Donc, là maintenant, on va augmenter le bonheur hein, pour essayer de faire passer cette tête rouge en tête bleue. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va continuer rapidement à monter la population. OK? Pour avoir suffisamment de main-d'œuvre comme c'était prévu. Ensuite, donc là, ben maintenant, on va commencer tout doucement à se procurer les vêtements. Et voilà, comme on voit, les deux jauges ici montent tranquille. À leur aise. Le poisson aussi, tout va bien. Maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va aller leur préparer l'alcool pour aller les satisfaire aussi dans le bonheur. Comme vous voyez, je continue à construire sur l'extérieur, hein, parce que la ville va venir au centre comme ça. Donc j'essaye de mettre les structures à l'extérieur pour pas devoir les bouger par la suite. Enfin, moi j'aime pas les mélanger forcément. Vous, si vous aimez bien faire ça, ne vous privez pas. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va préparer donc pour l'alcool. D'accord? Donc là encore, on va construire quatre structures ici. Voilà, on va même en mettre 5 pour préparer pour les 5 champs. Et là, comme pour. Les structures juste à côté, on rejoint et on vient ici. Alors, pour les champs, ce qui est le plus pratique, c'est que vous en construisez un. Voilà, d'accord, vous mettez ici et vous agrandissez tranquillement. Voilà. Après, vous prenez la petite pipette qui se trouve ici pour faire copier. Vous copiez ce bâtiment et vous recommencez selon le nombre de champs que vous voulez. Donc là, on avait dit 5, donc on met 5. Là, on va quand même essayer d'amener plus de main-d'œuvre, sinon ça va être un peu juste pour tout ça. Mais là, on voit qu'on est coincé. Donc, on va devoir se contenter de faire comme ceci. Alors, ben, on va construire deux champs complètement, d'accord? Et une fois que ce sera fait, on pourra alors avancer. Ah, ici, là, on va commencer à avoir l'alcool. On va avoir l'argent du coup monter parce que le bonheur, comme je l'ai dit, surtout l'alcool, va monter les revenus. Et là, on voit qu'on est à moins 308. Hein. Mais bon, on n'a pas grand monde non plus. Hein. Voilà. Donc là, on va avoir l'argent qui va arriver ici et donc va remonter notre déficit. Mais on est encore large en termes d'argent de stock. Donc de ce côté-là, on n'a pas trop à soucier. Toutefois, on va continuer pendant que ça montre notre structure. Donc là, on va laisser deux espaces pour faire passer les lignes de chemin de fer et on va reprendre une route. Oui, il y a des lignes de chemin de fer qui se trouvent plus loin. Une fois qu'on arrive à Ingénieur, on va pouvoir construire des trains et transporter le pétrole. De ce fait, on pourra laisser les trains circuler aisément et ne pas faire ça trop tard après. Donc ici, on va copier deux espaces, pas trois, deux. Et on va le mettre à côté. Pourquoi? Mais parce que ça va permettre d'avoir une couverture que je vous montrerai plus tard. Donc ici, c'est pas de bol. On va avoir une couverture pour les hôtels de ville qui vont pouvoir recouvrir la quasi-intégralité de la population pour leur mettre des bonus. Donc, on va prendre deux. Hop. On va le coller ici. Voilà. Voilà, comme ça, on sait déjà par où on va. Mais, et après, on copiera tout ce bloc-là et on viendra le mettre à côté. Maintenant, ben maintenant, on a eu du bois, hein, ça marche bien, avoir plusieurs usines. Donc, on va commencer à monter la population de façon un peu plus efficace, parce qu'il nous manque toujours des main-d'œuvre, on est bien d'accord avec ça. Voilà. Là, ici, là, on va pouvoir enlever le bois, par contre, de ce qui se trouve ici. Laisser nos quatre usines là-bas faire leur travail et venir ici comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Alors. On va. Donc là, on a prévu la suite. Vous avez vu l'argent. On commence à le récupérer. Et ça, c'est le résultat de l'alcool. Bon, toutefois, on n'aura jamais assez de ça pour faire tout, couvrir tout. Mais normalement, là, on a fini gentiment. Nos fermiers. Et on a les structures nécessaires pour les développer. N'ayez pas peur d'avancer, pas trop vite, toutefois, regardez quand même que
Si vous construisez trop vite des maisons, ben votre production ne suivra pas, donc ça ne fera pas des frais escomptés. Si vous construisez pas assez vite, vous n'aurez pas assez de main-d'œuvre. Donc il va falloir quand même gérer ça et voir le propre équilibre de la dévolution des maisons de fermiers. Et ce sera beaucoup plus simple comme ça. Bien, alors. Ben on a encore récupéré 8 de bois, on voit qu'on a pratiquement récupéré tout le déficit. L'alcool tourne bien hein, pour 3 et 3. Je pense qu'on va pouvoir maintenant lancer la deuxième de vêtements et on va prendre un champ d'avance au niveau des vêtements. Alors, et bien on va profiter des planches, hein, vu que maintenant on les reçoit en masse quand même. Voilà. Quand on aura fini de construire ce morceau-là, normalement, on devrait être à égalité des deux côtés, du moins positif en argent et positif en fermier. Donc, on a juste à attendre les planches et que les choses se passent bien. Voilà. Vous occupez pas trop de vos adversaires, de où ils s'étendent et autres. Après, effectivement, il y a des petits trucs et astuces, déjà bouger le bateau, chercher les PNJ, mais on n'est pas trop là pour ça pour l'instant. On les verra au fur et à mesure. Mais on arrive à notre objectif avec les fermiers. Voilà. Eh bien, on y est presque. On a presque fini. Comme je vous avais dit, on est en positif, hein, population positive. Et l'argent, maintenant, on va être en positif. Ce qui va nous permettre, bien, d'atteindre le premier objectif, à savoir débloquer ce qu'il faut pour atteindre nos ouvriers. Voilà. On a bientôt fini ici. Voilà, les trois maisons. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, ben, on est en positif et puis en négatif. Bon, ça ne veut pas dire qu'on peut construire tout et n'importe quoi, mais au moins on perd plus d'argent à attendre de pouvoir construire et on a de la population en masse. Donc maintenant ici, si on regarde, il nous dit qu'on est dans le bleu, dans les trois, donc on produit suffisamment et on regarde ici, on voit que la production est complète et du coup, on a un petit onglet qui apparaît ici qui nous permet de promouvoir les résidents. Ça veut dire passer des résidents à un niveau supérieur, à savoir les ouvriers. D'accord, donc là on pourrait déjà le faire. Nous on va continuer encore un petit peu à construire, c'est-à-dire ici développer une deuxième pêcherie pour être sûr de ne pas manquer de ressources de ce côté-là. Regardez que là ben, nos structures sont complètes. Là on va mettre un deuxième pour que ça puisse fluidifier un peu plus. Moi je privilégie au début de partie, toujours je précise, je sens qu'il n'y a pas assez de petits entrepôts, donc de transporteurs. Hein. On voit qu'il y a des mecs qui chargent et là il n'y en a que deux chariots puisque c'est la version T1 de l'évolution. Construire un deuxième bâtiment au lieu d'évoluer ceci est plus rentable en début de partie. Pourquoi? Parce que si on le construit directement, ça coûte 500. D'accord? Si vous le faites évoluer pour avoir un porteur de chariot en plus, ça vous coûte 2500. Après, ce sera plus pratique, mais pour le moment, pour économiser de l'argent, il est préférable d'en mettre plusieurs comme ça que de l'évoluer. Voilà, vous mettez un nouveau bâtiment, vous avez deux transporteurs et ça vous coûte 500, ou vous faites une évolution et vous avez un transporteur, mais ça vous coûte 2500. Voilà, donc là c'est bien indiqué, hein. Un chargement, le coût d'entretien moins 50, donc ce sera plus cher, mais il vous faudra payer 2500 pour l'avoir. Là vous voyez que de toute façon la structure, on peut l'évoluer que quand on aura des ouvriers, chose qu'on va faire maintenant. Voilà. Donc maintenant, on va activer ici. On voit qu'on a tous les prérequis, à part le marché, parce qu'il n'est pas assez loin. Mais ça, on réglera après. Donc si on vient ici, on va voir qu'il a assez pour avoir les ouvriers. Voilà. Donc là, on vient de débloquer un autre style de population. Un autre style de population veut dire quoi? Veut dire des nouvelles ressources. Et de nouveaux besoins. Voilà. Bonheur qui est ici et le besoin qui augmente la population. Là maintenant, il va nous en demander 4 de plus, dont un bâtiment. Ici, il va nous en demander 2 de plus, dont un bâtiment. Voilà. Là, on vient tout simplement de débloquer les ouvriers. Alors, pour ce faire, les ouvriers, on va voir qu'on a un nouveau tableau qui apparaît ici en dessous. Là, on a tout le tableau des fermiers, chose qu'on vient de faire. On avait d'ailleurs même oublié de construire ce qui était prévu ici. À savoir les pompiers. N'oubliez pas de les mettre dès que c'est débloqué parce que sinon vous allez vous choper des incendies et ça risque d'être moins drôle, d'accord? Donc on l'a débloqué ici et maintenant on le débloque
ici. Hop. Voilà. C'est construit et on y va. Au moins, on pourra éteindre les incendies quand ils arriveront. Là, quand on clique dessus, on voit la portée du bâtiment. La portée est assez restreinte puisqu'on est sur des routes de terre. Après, on mettra sur des routes de pavés, donc on pourra avoir une plus grande portée. Mais on voit que si jamais l'incendie se propage ici, on ne pourra jamais éteindre. Donc, eh bien, on va y amener une nouvelle caserne de pompiers. Là, on a un PNJ qui commence à faire son apparition. Le rédacteur qui va nous permettre de rédiger notre journal. Donc le journal ici explique les différents événements qu'il y a dans votre ville. D'accord? Et les bonus ou les malus qui en ressort. Donc là on voit qu'on va gagner 10 de bonheur au total et moins 50% de chance d'émeute. Toutefois, si ça nous plaît pas, on peut modifier le journal en cliquant ici. On aura de plus en plus d'options au fur et à mesure dans le jeu. Là, on est relativement restreint, mais on aura plein de d'options avec le temps. Et on pourra donc parer à de nombreux problèmes. Ici, on va pas mettre le bonheur, ça sert à rien, puisqu'on en a déjà 2x5. Par contre, on va essayer de gagner plus d'argent. Là, on pourrait gagner 5% de revenus supplémentaires. On va l'utiliser dans cette partie-là. Donc là, on a modifié le journal et ensuite on le fait publier. Alors, les conséquences de 1, ça va vous prendre des points d'influence. Je trouve ici. L'influence, on les a de différentes façons. Plus la population monte, comme on le voit, population totale, 639, et à 800, je recevrai encore 20 points d'influence. Après, on recevra aussi des points d'influence quand on développera des maisons d'investisseurs. On recevra un certain nombre de points selon le niveau de difficulté qu'on a prédéfini dans la partie. Ça va de 1 à 3 points par maison. Voilà, et on va monter des points d'influence qui vont nous permettre de faire plein de choses avec ces points d'influence, mais ça on verra au fur et à mesure. Voilà, donc là maintenant on a mis le journal, on a mis tout ce qu'il y avait ici, et là on voit qu'on est encore en déficit, donc on a un problème quelque part. Je pense qu'on a trop d'usines par rapport au nombre de choses. Donc maintenant on va développer voilà, nos ouvriers ici, et on sera arrivé à la seconde étape qu'on verra dans la prochaine vidéo. Voilà. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Là, on a fini la partie fermier standard avec ses structures. Et on verra dans la prochaine vidéo comment développer les ouvriers et surtout à quoi servent ces fermiers fur et à mesure dans le temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait super plaisir. Si vous avez des messages, des questions, ben laissez-moi un petit message, il n'y a pas de souci. Sinon, vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Tous les soirs, sauf le dimanche. Allez, bye bye !